j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un petit peu les produits corporels parfumés que j'utilise au quotidien. Donc j'ai mis les gels douche, les hydratants, certains produits parfumés pour la maison, donc des bougies parfumées, et aussi quelques parfums que je vais combiner justement avec les produits hydratants et les produits lavants. Donc ce que vous entendez là, c'est mon chien qui souffle, peut-être que vous allez l'entendre parce qu'on est allé le sentir et il fait chaud, donc du coup monsieur va souffler pendant la vidéo, donc écoutez, bienvenue à la maison. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garmingue, bienvenue sur cette vidéo, je suis ravie de vous accueillir. En vrai je suis coach sportive, je suis coach en perte de poids, coach en émotion, donc ma mission c'est de vous aider à perdre du poids durablement, à réussir votre sèche. Et oui, j'en parle dans mes vidéos parce que c'est un peu mon moyen de faire ma petite pub. Mais je partage avec vous ici une de mes passions qui est le parfum, qui est les odeurs, qui est la découverte. Donc j'essaie vraiment de partager avec vous les trucs que j'aime au quotidien. Je fais juste un petit disclaimer. Quand j'achète mes produits, je regarde pas la composition des produits, d'accord? Il existe une application et un site internet qui s'appelle Inky. Inky Beauty, Inky, c'est la liste Inky, c'est la liste des composés de vos produits. Je sais qu'il y a des personnes qui font très attention à ça, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, il y a plein de trucs et tout. Idéalement, c'est vrai que c'est mieux d'aller consulter pour faire des choix avisés. J'avoue que c'est pas quelque chose que je fais. Je l'ai eu fait pendant un moment, mais je le fais pas trop. Donc au moins vous savez. Donc n'hésitez pas vous de votre côté à aller vérifier sur Inky les produits que je vous propose, s'ils sont bons pour vous ou pas. Mais au moins vous savez. Et les produits pharmaceutiques que vous trouvez en pharmacie, personnellement moi je peux pas. Si ça sent pas bon, j'utiliserai pas. Ma mère elle utilise beaucoup de produits type La Roche-Posay, des trucs comme ça qui sont très très bons pour la peau, il n'y a pas de problème. Mais l'odeur moi je peux pas. Et on a un gel douche comme ça à la maison. On l'a appelé avec mon copain le gel douche qui pue. On l'utilise pas, et quand il l'utilise, à chaque fois je suis là, je fais ah t'as utilisé le douche qui pue, il me dit oui. Donc voilà, moi je peux pas, si ça sent pas bon, si ça sent pas le gourmand, je vais pas l'utiliser. Donc au moins vous savez les amis, il n'y a pas de mauvaise surprise, vous êtes des adultes responsables et intelligents, donc prenez mes suggestions, mais faites le tri de ce qui est bon pour vous ou pas. Ok, alors comme d'habitude j'ai tout mis sur mon canapé. Alors une gamme de produits que j'adore, vous savez peut-être, c'est la gamme Vétiver Pamplemousse de chez Zara. Zara a une autre parfum qui s'appelle donc Vétiver Pamplemousse. C'est une autre parfum qui a été créé par Jo Malone. Et c'est un parfum qui est extrêmement frais. Et vraiment pour l'été, moi je l'adore. Ça sent un peu le vétiver, ça sent beaucoup le pamplemousse, c'est très frais, c'est très rafraîchissant, c'est super agréable. En plus c'est un parfum qui coûte une vingtaine d'euros pour combien de millilitres? 80 ou 100 millilitres? Je ne sais plus et c'est pas marqué. C'est pas marqué ou je le vois pas. Bon bref, c'est un super rapport qualité-prix. Je trouve que pour l'été c'est méga agréable. Et en fait il faut savoir qu'ils ont une gamme de soins pour le corps, bah, Vétiver Pamplemousse, et je pense qu'il y a même les parfums maison et la bougie parfumée. Je suis pas sûre mais je crois que ça y était, mais je l'ai pas prise. Donc du coup vous avez le lait hydratant Vétiver Pamplemousse qui est super agréable, qui est bien fluide, qui franchement hydrate bien et qui pénètre assez rapidement. Donc je l'aime beaucoup. Au niveau de l'utilisation je pense que je suis facilement ici. Donc moi j'aime bien faire le combo, donc vous avez les hydratants, vous avez le gel douche, donc ça c'est le gel douche, il dit ça hand and body wash, donc gel douche et trucs pour les mains. Donc lui il est assez épais mais franchement bien agréable à utiliser, donc pareil. Et vous avez le shampoing Vétiver Pamplemousse. Donc vraiment, souvent je vais faire ça le midi quand je vais rentrer de l'entraînement. Je vais me doucher, je vais me faire le combo. Petit shampoing au vétiver, gel douche au vétiver, crème hydratante au vétiver quand il commence à faire chaud là. On a eu 33 degrés il y a 2-3 jours. Et nous sommes nous sommes début juin, donc cet été ça, on va crever de chaud. Donc le petit combo là, en plus je mets le parfum par dessus la crème hydratante, ça va vraiment m'assurer une très très longue tenue au niveau du parfum. Donc généralement ce vétiver pamplemousse il faut compter 4-5 heures de tenue, là franchement 7-8 heures on y est. Donc ça c'est le petit combo, et il faut savoir qu'en termes de prix c'est assez abordable. Gel douche, crème hydratante et les hydratants il fallait compter 15 à 20 euros. Donc ça peut être vraiment le bon plan. C'est vraiment des produits que j'aime bien. Juste le shampoing, je suis pas très très fan parce que j'ai les cheveux très fins. Vous voyez, j'ai vraiment des cheveux de bébé moi. Et ils sont très fins et ils graissent assez rapidement. Donc le shampoing, je trouve qu'il est un petit peu trop riche par rapport à mes cheveux. Quand je me shampooine avec ça, franchement, j'ai les cheveux hyper plats et qui vont graisser très vite. Mais si vous avez des cheveux plus épais que les miens, plus volumineux, en même temps, c'est pas compliqué, peut-être que ça va plus vous convenir.
Donc voilà, vetiver pamplemousse de Zara, j'aime beaucoup cette gamme là, allez sniffer parce que vraiment le lait hydratant il est vraiment chouette. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Alors, en combo parfumé, j'ai la crème hydratante pour le corps Baccarat Rouge de Maison Francis Coeur de Géant, oui voilà, avec bien sûr le Baccarat Rouge en eau de parfum, ça c'est pas l'extrait. Alors cette crème là, c'est quoi? C'est un 250 ml, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'elle est bien hydratante, j'en pense qu'elle est agréable. Après c'est pas la meilleure crème que j'ai eue. Et je crois que c'est 70 € les 250 ml en fait, parce qu'en fait on a commandé le coffret pour Noël. C'est pas ma crème préférée parce que je trouve qu'elle est hydratante, mais c'est pas, elle est pas, pas nourrissante en fait. C'est-à-dire que si vous avez la peau très sèche, si vous avez les coudes très secs, si vraiment vous avez un peu l'effet peau de croco qu'on peut avoir des fois sur les mollets, c'est pas cette crème-là qui va vous nourrir. Donc pour moi, c'est plutôt voilà, hydratant. Bon, la peau va très bien, vous voulez la satiner un petit peu, vous mettez ça le soir, vous combinez avec le parfum Baccarat Rouge, vous allez gagner encore plus de tenue sur le parfum si c'était nécessaire, une meilleure projection, vous allez sentir bon, la peau sera douce, ce sera super bien. Donc du coup, est-ce que je rachèterai la crème hydratante? Non, je la rachèterai pas. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient l'huile sèche Baccarat Rouge et j'avoue que ça, j'aimerais bien la tester. Donc voilà. Écoutez, c'est pas mon combo, enfin, c'est pas ma crème préférée, mais je l'aime bien. Après aussi, je trouve qu'elle est un petit peu épaisse. C'est-à-dire que comme elle est un petit peu épaisse, et le truc pour ouvrir, vous voyez, il faut tourner comme ça. Je trouve que c'est un petit peu galère à faire sortir. Donc souvent, je vais le stocker comme ça dans ma salle de bain pour pouvoir récupérer le produit. Donc j'aime bien, mais après, est-ce que je la rachèterai? Pas sûr. Par contre, le vétiver pamplemousse, oui, je le rachèterai avec plaisir. Donc vous savez, mais c'est vrai que si vous faites le combo des deux, vous sortez, là, franchement, vous allez laisser une super impression. Quand on était parti en Hollande il y a quelques temps, j'avais hydraté mon corps avec la crème et j'avais mis ça en parfum, franchement, dans l'avion. Hein, donc je sentais vraiment bon et mon t-shirt a senti encore pendant 2-3 jours, même si je ne l'ai pas reporté. Quand je suis rentrée en France, voilà, une semaine après que j'ai mis mon t-shirt à laver, le t-shirt sentait encore le Baccarat Rouge. Donc franchement, ça booste bien la tenue. J'ai quoi comme crème hydratante aussi au quotidien? Je pense que j'en avais parlé déjà au mois de décembre. Une marque que j'adore pour les produits hydratants, c'est une marque de bougies, donc rien à voir, qui s'appelle Goose Creek. Alors Goose Creek, c'est une marque de bougies parfumées du Kentucky. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que leurs bougies, en fait, elles burn clean. C'est-à-dire que quand elles brûlent les bougies, vous n'avez pas comme les bougies Yankee Candles, vous n'avez pas le creux qui va se former et la bougie qui va rester sur le côté, ça brûle de manière linéaire. Parce qu'en fait, dedans, il y a deux mèches. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, ouais, il y a deux mèches. Ça, c'est une bougie qui s'appelle Trick or Treat. C'est une édition d'Halloween. Ça sentait la cerise rouge, entre autres, et le chocolat. C'est pas ma préférée. Bon, bref. Et Goose Creek Candle, pendant un moment, j'adorais leurs bougies. J'en ai acheté des dizaines. Parce que sur le site européen, elles étaient souvent en promotion à 13-14 €. Donc, c'est des grosses bougies comme ça. Et ils font énormément de parfums. Donc, vous voyez, avec les deux mèches. Donc vous voyez que la combustion, elle est vraiment propre en fait. Et je sais pas si vous verrez, mais on voit l'huile un petit peu qui remonte. Donc je trouvais qu'elle sentait très très bon, que c'était super agréable et vous ne perdiez pas beaucoup de bougies. Et après du coup le pot vous pouvez les récupérer pour mettre des trucs dedans, c'est assez sympa. Et ils ont énormément de parfums très gourmands. Donc j'avais acheté quoi, les gaufres hollandaises, le Dutch Stroopwafel qui était incroyable. J'avais acheté le donut à la cannelle qui était génial. Le brownie au chocolat. Enfin, ils ont beaucoup de parfums comme ça. Donc vous savez que moi, c'est des parfums que j'adore. Donc quand vous rentrez à la maison, non, parce qu'on ne fait pas brûler ses bougies quand on n'est pas là. Hein. Mais quand vous êtes chez vous là et que ça sent le cookie, et même mon copain, lui, quand il est rentré du travail, il me dit ah, c'est trop agréable. Donc j'aimais beaucoup leur parfum. Elles sont un peu moins faciles maintenant à trouver parce que je crois que le site européen a fermé et il a migré en Allemagne, donc du coup c'est marqué en allemand et c'est un poil plus cher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains parfums en fait de leurs bougies qui me donnaient mal à la tête et qui me donnaient un petit peu la nausée et qui me fatiguaient. Je sais pas si ça vous fait ça. Par exemple les bougies que vous trouvez en supermarché, genre les Air Wick et tout, quand je les fais brûler, au bout d'un moment j'ai mal à la tête et je me sens fatiguée et ça me fatigue en fait. Donc c'est vrai que j'ai arrêté d'utiliser des bougies parfumées à la maison. Donc celle-là, voilà, je les termine, mais je suis pas sûre d'en racheter. C'était long mon histoire. Hein. Donc du coup voilà. Par contre, si vous aimez bien les bougies parfumées, si vous les tolérez super bien, ils ont vraiment des très très jolies choses. Hein. Vraiment, leurs bougies gourmandes, elles sont à tuer.
Ouais, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc du coup, ils ont une gamme de produits pour le corps qui est surprenamment trop bien. Donc plein de lait pour le corps. Et là, c'était le vanilla pumpkin, enfin la gaufre à la vanille et à la citrouille qui sentait super bon. J'avais acheté le lait hydratant pour le corps au cône glacé vanillé, à la licorne, au barbapapa. Et vraiment, c'est du lait hydratant. Donc pareil, c'est pas comme un beurre corporel. Ça va hydrater, je pense, bon, comme tout en surface. Mais ça pénètre très bien. Ça sent super bon. Ça vous laisse la peau méga douce. Écoutez, vraiment, j'ai dû utiliser 4 ou 5 flacons comme ça. Et en fait, souvent, ils les font en promotion à moins 50%, voire moins. Et du coup, j'avais dû payer ça 3€ pour 250 ml, je pense. Et c'est fabriqué en Italie. Donc, ouais, c'est fabriqué en Europe. Donc, vous avez quand même un gage de qualité. Et c'est vegan et c'est pas testé sur les animaux. Donc, franchement, leur produit pour le corps, j'aime beaucoup. Ils ont aussi des nettoyants pour les mains que j'ai jamais testé. Donc, voilà. Donc, Goose Creek Cannelle en produit pour le corps, j'aime vraiment beaucoup. En beurre corporel aussi, que j'adore, vous avez les produits The Body Shop. Vraiment, cette gamme-là, les beurres corporels sont vraiment très bien. J'aime moins les laits hydratants, parce que tout ce qui est lait hydratant, je trouve que c'est pas assez hydratant. Et les sorbets hydratants, j'aime pas du tout parce que ça colle en fait. Vraiment, ça a cet effet, ça colle. J'en avais acheté plusieurs, notamment celui à la banane. J'aimais bien l'odeur de la banane, mais alors vraiment, ça stick quoi. C'est pas agréable du tout. Mais les beurres corporels, ils sont vraiment très très bien. C'est très riche, c'est vraiment très riche. Ça, c'est à la mangue. Et vous avez plusieurs gammes en fait pour aux peaux très sèches, moyennement sèches et compagnie. Et ça, c'est peut-être pas en été parce que c'est tellement riche du coup que si vous mettez ça le soir, vous allez transpirer. Mais justement, si vous avez les coudes secs, les genoux secs, si vous avez, vous savez, l'effet peau croco qu'on peut avoir comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment vous aider à bien hydrater. Moi, je mets ça le soir. Enfin, j'adore. Et les beurres corporels The Body Shop, vous les trouvez souvent en solde. Quand c'est les soldes, ils ont des éditions limitées qui sortent et ils ont des parfums à tomber. Ils ont genre la citrouille épicée, la cannelle, la prune à la vanille. Ils ont à la framboise, aux fruits de la passion. Ma préférée, c'était la noix du Brésil qui sent un petit peu le caramel, un peu le toffee. C'est super agréable. Ils ont vraiment une super gamme de beurre corporel. Donc allez voir. Les gommages au sucre, j'insiste bien, ceux au sucre sont vraiment très très bien aussi pour le corps. C'est des super produits. Ça fait un moment que je n'en ai pas racheté parce que du coup je voulais vraiment vider mes stocks avant d'en racheter. Mais les gammes corporelles Body Shop sont vraiment très très bien. Une marque que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps, enfin il y a longtemps mais pas longtemps en même temps, pour le corps, vous savez, je vous en parle très régulièrement, c'est Sol de Janeiro. Et comme j'aime beaucoup cette marque, forcément j'ai testé plein de trucs, hein. vous savez peut-être pas, mais moi j'adore tester dès qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent, que ce soit la nourriture, les activités, les restaurants, il faut que je teste. Mon copain, on va dans un restaurant, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on va dans le même restaurant, ça fait 10 ans qu'il prend le même menu, je vous promets, mais la même entrée, le même plat, le même dessert, la dame à chaque fois elle est morte de rire. C'est un petit restaurant japonais qui est trop trop bien. Et moi, à chaque fois que j'y vais, dès qu'elle fait le petit plat de saison, je prends toujours. Donc c'est très très rigolo. Donc voilà, mon copain, lui, il est bien dans la stabilité, dans les petits rituels. Donc moi, il faut que je teste tout. Donc c'est assez rigolo au quotidien, mais on se marre assez souvent tous les deux. Donc Sol de Janeiro, ils ont toute une gamme de crèmes hydratantes pour le corps, de gel douche et de brume corporelle, et ils ont aussi quelques nouveaux produits. Ils ont un stick hydratant pour les lèvres que j'ai testé, qui est bien mais qui n'est pas extraordinaire, crème pour les mains, déodorant et des produits pour les cheveux. Mais je pense que leurs produits sont trop nourrissants pour mes cheveux. Encore une fois, si je mets un truc avec de la noix de macadamia sur mes cheveux, laisse tomber quoi, j'ai plus de volume. Donc ils ont donc l'exfoliant corporel qui s'appelle le Bum Bum Body Scrub, qui est à base de sucre, je vais vous montrer. Qui est à base de sucre et qui a de l'huile dedans. Écoutez, ce truc, c'est une tuerie. Ça va bien vous gommer en douceur. C'est super agréable, ça sent super bon. Et comme il y a de l'huile dedans, ça va hydrater en même temps. Donc souvent, quand je fais l'exfoliation avec ça, je ne vais pas forcément remettre de la crème derrière parce que vraiment, quand vous sortez de la douche, vous sentez que la peau a vraiment été hydratée. C'est super agréable. Donc ça, c'est le Bum Bum Body Scrub. Il n'y a que en odeur de Bum Bum Cream que ça existe. Après, vous avez les crèmes hydratantes pour le corps et franchement, je les adore. Ça, je pense que bon, c'est mon quatrième pot de crème hydratante. C'est pour moi, c'est l'intermédiaire parfait entre le lait hydratant pour le corps qui va être léger mais pas forcément hyper nourrissant et le beurre corporel de Body Shop qui va être très nourrissant mais des fois
un petit peu trop épais, donc du coup qui va un peu avoir cet effet un petit peu lourd et vous donner chaud. En fait, moi en tout cas ça me donne chaud quand il fait chaud. Et là vous avez justement une texture qui est beaucoup plus fluide et qui est super agréable. Et ça c'est la Bondia Bright Cream. Je l'adore, franchement elle sent super bon, ça sent la prune vanillée. C'est l'odeur du Keirosa 40, de la brume corporelle Keirosa 40. Ouais, je l'ai prise. Ah, celle-là. C'est une de mes préférées. Celle-là, elle sent la prune noire ambrée, la crème de cassis, le jasmin, l'orchidée du Brésil, bois de vanille, le musc sensuel. Franchement, je l'adore. Je préfère celle-là, la 40, par rapport à la 62. Bon, la 71, elle est imbattable. Hein. C'est la 71, c'est les noix de macadamia caramélisées. On peut pas faire mieux que celle-là. Mais ça, j'adore. Donc, du coup, je vais combiner hein, crème hydratante comme ça et spray brume parfumée le soir. C'est juste une tuerie. Leur gel douche, les amis. Oh, les gels douche, c'est la folie. Le gel douche jaune, là, comme ça, de la Bum Bum Cream, il est trop bien. Il est crémeux, il est hydratant, il sent super bon, il coûte un bras et demi, difficile à trouver mais il est trop bien. La seule gamme que j'ai pas trop aimée chez Sol de Janeiro, c'est la gamme à la noix de coco. J'en ai déjà parlé, je pense qu'en fait dans les produits à la noix de coco, il y a un ingrédient que ma peau ne supporte pas. Parce que quand j'ai utilisé le gel douche, même sur les parties un peu plus délicates de mon corps, oui, un peu plus intimes, ça me brûlait. Et la brume corporelle, elle me brûlait au niveau du creux des bras. Enfin, du coup, j'avais pas trop aimé. Et à mon nez, il y avait un aspect synthétique que j'ai pas trop apprécié. Donc, mis à part cette gamme à notre couche dont je suis pas trop fan, tous leurs produits pour le corps, je les trouve géniaux. Sauf que je les trouve un petit peu chers. Je trouve que c'est un peu cher. La qualité est exceptionnelle, donc vraiment vous serez pas déçus. Donc l'astuce c'est soit d'attendre les moins 25% chez Sephora pour que ça passe à moins 25%, soit pareil d'aller sur Notino et de mettre les produits en wishlist, et régulièrement ils font des promotions. Et ça par exemple je l'ai eu à moins 60% ou un truc comme ça. Là pareil, donc du coup que j'ai commandé, j'ai fait le plein et j'étais trop contente d'avoir mes produits à un prix que je juge quand même plus acceptable. Donc voilà pour Sol de Janeiro que j'adore. Ah oui, et j'ai aussi essayé mais j'ai pas encore, enfin j'ai aussi acheté mais j'ai pas encore testé. Ça c'est le Rio Sunset Glow Oil. C'est une huile satinée. Je l'ai pas du tout senti, alors vous savez que j'ai même pas senti parce que... Oula, ouh, ça sent bon ça, ça sent très très bon. Ça sent la noix caramélisée, ça sent le Keirosa 62, ça sent très très bon. Et moi j'adore en été mettre des paillettes, mettre des huiles pailletées, des trucs comme ça. Sauf que le problème, et on va y venir justement sur le prochain produit que j'ai, c'est que des fois, vous savez, l'huile en fait avec les paillettes, ça va se mettre dans vos petites veines, et vous allez avoir, enfin dans vos petites veines, dans vos petits plis de peau, donc du coup vous allez avoir le trait des paillettes qui va rester, et ça transfère sur les habits, et j'adore porter du blanc, et forcément, ben du coup ça va salir à ce niveau-là, ça va salir un petit peu partout, et des fois, vous n'allez pas réussir à récupérer le blanc immaculé de vos affaires. Et cette huile-là, l'huile scintillante, translucide, elle est censée être sans transfert. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, mais je me réjouis de la tester. Donc j'ai acheté ça. Donc justement, en parlant d'huile corporelle, je vous disais, bon, il y a bien sûr la Nuxe, l'huile prodigieuse que j'ai testée avec des paillettes. J'en ai vidé pas des dizaines, mais j'ai dû facilement me faire 5-6 flacons. Ça a été mon huile pailletée préférée pendant des années. Là, l'année dernière, j'avais pris pour le Black Friday l'huile Huda Beauty Nymph. Donc vous voyez, elle est cuivrée, donc elle est un peu foncée. Et elle sent le Kayali Utopia Vanille Coco. Donc théoriquement, c'est soi-disant la même odeur. Je suis pas d'accord à 100%, je trouve que c'est pas tout à fait la même odeur. Mais du coup, vous pouvez layerer les deux. Et pareil, le fait de mettre le parfum par-dessus l'huile, ça va booster la tenue de votre parfum. Et effectivement, ça sent très très bon. Ça sent vraiment la plage, le monoï, la noix de coco, la vanille. Là, on y est. Point positif de cette huile, bon, elle est pailletée, les paillettes sont très très fines, sont très très jolies, donc c'est très très beau au soleil, vraiment, ça fait vraiment un effet glowy, un effet subtil, un très très bel effet, et c'est teinté. Donc si vous êtes plus bronzé que moi, ce qui n'est pas difficile, du coup ça va vraiment donner un petit côté caramel à votre bronzage. Et si vous avez la peau claire comme la mienne, et les gars, je suis bronzée en ce moment, franchement je suis bronzée, ça va donner un effet encore plus bronzé. Donc franchement, sur ça, j'adore. Reproche que j'ai à lui faire, ça transfère. C'est-à-dire que vraiment, la dernière fois, je l'ai mise sur mon corps, j'ai attendu que ça sèche, je me suis habillée avec un débardeur blanc, j'ai eu des marques de l'huile
les marques cuivrées sur mon débardeur blanc. J'ai lavé le débardeur blanc avec du percarbonate de sodium. Oui, c'est ça. Donc c'est un agent qui est bien blanchissant. J'ai lavé avec une lessive spéciale blanc et tout. J'ai pas réussi à récupérer mon débardeur. Donc faites attention, ça s'attache, ça sent très très bon, mais ouais, c'est pas mon huile parfumée préférée, mais ça sent bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme parfum pour, enfin comme produit corporel qui sent bon à vous présenter? Alors là les amis, ça c'est ma gamme de gel douche préférée, et je pense que si vous me connaissez, ça va pas vraiment vous surprendre, c'est la gamme de gel douche DOP. Les douceurs d'enfance. Bah, ce truc les amis, c'est la folie. Franchement, c'est la folie. Ça coûte pas super cher, ça coûte entre 2 euros, enfin les moins chers sont un peu moins de 2 euros, et bon, par chez nous, hein. Et les un peu plus chers, les gros comme ça, sont moins de 4 euros. Mais les parfums, c'est une tuerie. Vous avez le bonbon au cola. Enfin, si vous aimez les bonbons Haribo, les bonbons chimiques, si vous êtes comme moi, vous allez adorer. Vous avez le bonbon au cola, le bonbon à la banane, vous avez la fraise Tagada. Vous avez les Dragibus, ils ont changé les noms, mais c'est le Dragibus. Pendant un moment, ils l'ont arrêté, maintenant il y avait celui au caramel, je crois qu'il existe encore. Il y avait le cake au citron, il y avait la madeleine, il sentait tellement bon. En grand comme ça, vous avez les ours à la guimauve. Ça, c'est au popcorn, les amis. Ce truc-là, au popcorn, les amis, c'est la folie. C'est un... Oh, ça sent tellement bon. Popcorn, ça y est, c'est un 400 ml. Vous avez quoi comme odeur à tester que j'adore? Vous avez la barbe à papa qui est pas mal du tout. Vous avez la pomme d'amour qui sent trop bon. Vraiment, il y en a plein. Et vous avez les cookies aussi. Et le dernier que j'ai découvert, c'est celui-là. C'est parfum au pancake. C'est une édition limitée par Romy. Celui-là, les amis, il sent tellement bon. Mais vraiment, le pancake, le sirop d'érable. Oh là, ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon, vraiment c'est une tuerie, et je l'aime tellement que c'est une édition limitée que j'en ai acheté 4, comme ça j'essaie de pas faire la psychopathe, de pas avoir trop de trucs en stock, parce que du coup ça m'énerve d'avoir trop de trucs à la maison, et vraiment ça me stresse d'avoir trop de trucs à la maison, ça fait un effet panique, j'aime pas, mais non, ce truc là j'ai tellement aimé que j'en ai acheté 4 en fait. Vraiment, les gels douche DOP, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont hydratants, je trouve qu'ils sentent super bon, c'est super agréable à utiliser. Je sais pas si la compo est hyper nickel, mais je sais que en comparaison à d'autres marques comme Oshuaia et Cottage, qui font aussi des gels douches qui sentent très très bons, ça me déshydrate pas la peau. Parce que moi, ce que je fais, c'est quand je me lave, je mets mon gel douche dans mes mains et je fais ça en premier. Et après, je vais me laver. Et en fait, quand j'utilisais du Cottage et du Oshuaia, j'avais des plaques de déshydratation en fait sur les épaules. Et quand j'étais allée voir la dermato, je pensais que c'était des champignons. Elle m'a dit, et je lui dis oui, donc du coup quand je me lave, j'ai fait un truc comme ça, elle m'a dit non mais cherchez pas, je sais ce que c'est déshydratation due au gel douche, et ça me le fait pas avec l'eau chaude, avec les DOP. Donc voilà les amis, allez tester, vraiment juste allez sentir vraiment la gamme douceur d'enfance. Si vous aimez le gourmand, si vous aimez le sucré, vous allez être au paradis du sucre, hein. vous lavez 50 fois par jour. Et même justement, si vous galérez à laver vos enfants, là il y a moyen de gagner la négociation sans trop vous batailler. Qu'est-ce que je vous ai sorti aussi? Alors oui, les gels douches aussi, bon alors il est quasiment vide celui-là. Les gels douches The Body Shop sont pas mal aussi, édition limitée, ça c'est Vanilla Pumpkin, encore une fois, la vanille et la citrouille et tout ce qui est épicé, j'adore. Donc bah, pareil, pendant les soldes, il faut vraiment chercher ça pendant les soldes, ça sort plutôt pendant les soldes. Ils ont plein d'éditions limitées, super sympa. J'aime bien, franchement j'aime bien leurs gels douches, ils sont sympas, ils sont hydratants, ils sont pas déshydratants, donc c'est pas mal. Et oui, et en fait en solaire, j'utilise la crème solaire Nivea. C'est une de mes préférées, pareil, parce que j'adore l'odeur. Et vous savez que la crème solaire, il faut en mettre toutes les deux heures, il faut en mettre hyper régulièrement, blablabla. Et encore une fois, si ta crème solaire, elle sent pas bon, vraiment, je vais avoir du mal à la mettre régulièrement, à la réappliquer, à y penser. Mais si ça sent bon, eh ben ça me fait très plaisir de sentir bon. Donc du coup, je vais la mettre plus facilement. Et je sais pas si vous saviez, mais Nivea a sorti le parfum de la crème solaire. Et le parfum de la crème hydratante pour le corps. Vous savez, la crème bleue de base. Donc du coup, je suis allée chercher ce parfum-là. Ça sent exactement la même odeur que la crème solaire. C'est un truc de fou. Si vous aimez le côté poudré, rassurant, solaire, fleur blanche de la crème solaire Nivea, c'est exactement la même odeur. Sauf que, je sais pas si vous verrez, il est déjà bien utilisé. Si je fais comme ça, oui, vous voyez bien. Ça, c'est un 30 ml.
Sauf que la tenue de ce parfum est vraiment très mauvaise. Très très mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, l'odeur de la crème solaire tient plus longtemps que le parfum. La dernière fois, j'en ai mis. Et j'ai pas dit à mon copain que c'était le parfum de la crème Nivea. Et je lui ai dit, tu sens quelque chose. Et c'était peut-être au bout de 2-3 heures. Et il m'a dit, on sent un truc très très léger. Ça sent un peu la crème solaire. J'ai fait, ouais, c'est le parfum de la crème solaire. Il me dit, aucun intérêt. Et en fait, la crème solaire sent plus que le parfum. Mais écoutez, si vous êtes une grande fan ou un grand fan de l'odeur de la crème solaire Nivea, vous pouvez tester, bon ça m'a coûté moins de 20€, donc si vous combinez justement avec la crème solaire, ça va tenir plus longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc parfumé? J'ai les laits hydratants corporels Angel. Ça c'est Mugler qui me l'a envoyé gratuitement, parce que comme je commande plein de parfums chez eux, des fois avec les codes, ils vous envoient des petits cadeaux. Et donc le lait hydratant que j'avais reçu quand j'avais acheté le coffret Eau de Toilette Angel. Et il faut savoir que le parfum en lait pour le corps, sans l'eau de parfum Angel, pas l'eau de toilette. Donc c'est, on retombe sur le côté patchouli, le côté très très fort de Angel. Donc j'ai un peu de mal à le porter ce truc parce que c'est très puissant. Ça sent bon hein, mais c'est vrai que je vous avais dit dernièrement que j'avais un peu plus de mal à porter Angel qu'avant. Donc voilà, bon, ça hydrate bien, c'est agréable, ça sent très très bon hein. C'est, si vous mettez le lait hydratant Angel, mettez pas par dessus le parfum hein, sinon vous allez vous intoxiquer tout le monde. Mais pourquoi pas, vous saurez. Et dernier truc que j'ai pour la maison, ça c'est pour la maison en termes de bougies, vous avez les bougies Yankee Candles qui sont très connues. Là par contre vous voyez c'est des bougies à une seule mèche et en fait si vous les faites brûler, elles vont se creuser et vous allez perdre énormément de produits. Donc il faut absolument, si vous les achetez, que vous achetiez par-dessus, que vous achetiez le petit truc comme ça, que vous mettez, et du coup ça fait que la combustion se fait de manière plus uniforme et vous perdez moins de bougies. Bien sûr hein, c'est des fourbes parce que ça se vend à côté et je sais pas combien ça coûte, mais du coup voilà. Si vous achetez pas ça, vous allez vraiment perdre beaucoup beaucoup de bougies. Les Yankee Candle, elles sont pas mal. Celle-là c'est Passion Fruit Martini, donc c'est un truc qui sent les fruits d'été, c'est hyper agréable. Ils en ont quelques-unes, moi que j'aime bien. Ils en ont une, c'est les biscuits de Noël roses avec des petits sprinkles dessus, les biscuits, enfin bon, ils ont quand même pas mal d'odeur, donc si vous aimez bien les bougies parfumées, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Et celle-là, elle me donne pas trop mal à la tête, donc de temps en temps j'en prends, et souvent elles sont en promotion sur showroom privé et beauté privée. Donc à tester, mais vraiment prenez ça, achetez vraiment ça, sinon votre bougie, franchement vous allez en perdre facilement un tiers quoi. Et les dernières petites bougies que j'ai pour la maison, j'utilise pas tant que ça, mais bon, je vous les présente quand même. J'ai eu les petites bougies comme ça de chez Rituals. C'est les bougies que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent Rituals. Les calendriers de l'Avent Rituals, ils sont vraiment très 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 bien. Certes, ils sont pas donnés, on va pas se mentir, ils sont pas donnés, mais déjà ils sont très très beaux d'un point de vue esthétique. L'année dernière, ils ont fait un petit village et du coup, il y avait un petit guirlande avec des lumières et du coup, vous avez des lumières qui rentraient dans les maisonnettes et ça faisait vraiment une super décoration de Noël dans votre salon, c'était super sympa. Et à chaque fois, ils mettent 4 bougies parfumées qui correspondent aux 4 dimanches de l'Avent. Et donc voilà, et ça c'était la bougie à la rose impériale, Imperial Rose, et ça sent que dalle. Franchement, les bougies parfumées Rituals, ça sent que dalle, la diffusion est vraiment très médiocre. Je sais pas si les grosses sont mieux, mais les petites en tout cas, j'étais super dessus. Donc en fait, vous voyez, je l'ai depuis le mois de décembre et finalement, j'ai pas le temps d'utiliser que ça parce que je vois pas trop l'intérêt. Et une bougie par contre que j'ai reçue en cadeau pareil à Noël et j'étais par contre très agréablement surprise, c'est la petite bougie au pain d'épices, je sais pas si vous verrez grand chose, de Francis Kurt Jean. Donc ça c'est une bougie qui s'appelle pain d'épices hein, que j'avais reçue à Noël parce que du coup ils offraient une bougie au choix si vous achetiez un parfum à Noël. Et ça par contre ça sent super bon. Donc je sais pas en fait combien coûtent les bougies parfumées de chez eux, mais toujours est-il que là j'étais agréablement surprise parce qu'il y a une bonne diffusion et ça sent très très bon le pain d'épices. Donc si vous voulez faire un beau cadeau, un cadeau un peu classe et pas forcément un parfum, mais si vous voulez offrir à quelqu'un une bougie parfumée pour la maison, les bougies de chez Maison Francis Kurt Jean, elles sont quand même pas mal du tout. Voilà les amis, c'est tout ce que je vous ai sorti pour l'instant et je trouve que c'est quand même pas trop mal hein. Donc là vous avez de quoi faire pour sentir bon, pour vous hydrater et pour augmenter la durée de votre parfum et avoir une maison qui sent bon. Nous on a un gros chien, on a 2 chats, des fois avoir une maison qui sent bon quand il pleut c'est
pas toujours facile, donc c'est vrai que on va utiliser un peu les artifices, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vous les produits pour le corps que vous adorez, vos petits trucs, vos petits brumes corporels, vos hydratants préférés, vos parfums pour la maison. Je serais vraiment ravie de vous lire. Je sais qu'il y a aussi les sprays pour la maison El Nabil qui sont absolument exceptionnels, ils sembleraient, donc j'aurais bien les tester à l'occasion. Et voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Comme d'hab, si elle vous a pas plu, c'est pas grave, laissez un like, c'est gratuit, voilà, c'est votre bonne action de la journée. Et pensez à vous abonner, les amis, on est bientôt 1000 sur cette chaîne-là, soyons 1000 et voir des dizaines de milliers, ce sera cool. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.